Il rêve d'une France sans musulmans, où les juifs restent à leur place, où les homosexuels se cachent. C'est leur programme politique, celui qu'ils défendent à l'Assemblée nationale. Tout devrait nous pousser à les expulser puisqu'ils représentent un danger de mort pour notre peuple. Depuis plus de 10 ans, on se bat contre l'extrême droite avec une seule arme, l'information. Nous avons montré les militants du parti d'Éric Zemmour qui s'entraînent au tir sur des caricatures de juifs, de noirs ou d'arabes. Nous avons raconté comment les amis de Marine Le Pen financent et soutiennent l'antisémite Alain Soral. Nous avons identifié des auteurs d'agressions qui jusque-là échappaient à la justice. Nous avons dénoncé la présence de néo-nazis dans l'armée et d'autres militants d'extrême droite dans la police et la gendarmerie. Notre travail compte et fait bouger les lignes. Les dizaines d'enquêtes publiées par Street Press ont été reprises par l'ensemble de la presse française. Elles sont aussi régulièrement utilisées par la justice dans le cadre de procédures pénales. C'est sans doute pour tout cela que nous sommes souvent la cible de menaces de mort de la part de militants ultra-violents. Des journalistes, des juifs et des musulmans étaient ciblés à nouveau par des appels au meurtre sur une chaîne Telegram tenue par les mêmes militants. Mais ces menaces ne nous feront pas baisser les bras, bien au contraire. Nous sommes convaincus de l'importance et de l'urgence du combat contre l'extrême droite. Car nous ne voulons pas que Marine Le Pen prenne le pouvoir en 2027. C'est pourquoi nous lançons un nouveau projet d'une ampleur inédite, la plus grande enquête participative jamais menée sur l'extrême droite en France. Nous avons décidé d'enquêter sur chacun des 150 groupuscules néo-nazis, identitaires ou intégristes du pays. Racontez aussi comment ils forment l'armée de l'ombre du Rassemblement National, des troupes de gros bras qui œuvrent à ces campagnes et trouvez qui les finance. C'est un travail titanesque que nous ne pourrons mener seuls. Unissons nos forces. Concrètement, nous avons créé une plateforme d'enquête participative et sécurisée. Vous serez nos yeux et nos oreilles partout en France. Sur cette plateforme en ligne, vous pourrez signaler les actions et les méfaits de ces groupes. Vous pourrez aussi nous indiquer les événements qu'ils organisent et nous partager leur lieu de rendez-vous. Un article dans la presse locale qui aurait échappé à notre vigilance, un simple tag ou même un autocollant collé sur un lampadaire peut être le point de départ d'une enquête ou nous permettre d'identifier un groupuscule. Et si vous disposez d'images, de documents ou d'informations sensibles, vous pouvez nous les transmettre de manière confidentielle et sécurisée. Elles serviront à réaliser une carte exhaustive de l'extrême droite française avec une petite enquête sur chacun des 150 groupuscules présents sur le territoire. Grâce à ce matériel inédit, nous publierons aussi une série d'enquêtes sur les violences de l'extrême droite, ses sources de financement et ses appuis politiques. Et enfin, nous réaliserons un manuel de riposte, un guide gratuit pour connaître et combattre l'extrême droite. Il sera mis à disposition de tous ceux, citoyens, associations, militants, qui veulent lutter contre. C'est un projet ambitieux, très ambitieux. Pour le mener à bien, on va avoir besoin de vous. Pour remplir et partager notre plateforme d'enquête, mais aussi pour la financer. Nous développons notre propre plateforme sécurisée et nos journalistes spécialisés vont passer plus d'un an à ces enquêtes. Il va aussi falloir gérer les questions de sécurité et se préparer à faire face à des procès. Tout ça a un coût. Il est élevé, il nous faut réunir au moins 100 000 euros. Et comme on ne peut pas compter sur les millions de Bolloré, on compte sur vous. Faites-nous un don, chaque euro compte.